je vais vous expliquer comment l'opération doit se dérouler. Tout d'abord, vous devez savoir, les vendanges, c'est dans 2 jours. Pendant cette période, vous allez vous faire passer pour des vendangeurs. C'est bon, après le camion. J'ai cru que la rue principale c'était ça, j'avais pas gagné tout ça. J'espère filmer un. La cible, la Dolce Vita. C'est une bouteille très rare. Vous devez savoir que j'ai déjà travaillé pour eux. En bas, par le chemin des crapauds, en bas. Si ça dérangeait avant, ça dérange maintenant. Mais en bas, parce qu'ils disaient d'aller se parquer vers le transformateur, mais ils avaient aussi tous les camions, là, le cap du CEP, ils avaient les camions, les tracteurs aussi en bas. S'il y en a des choses en bas, on ne sait pas qu'à droite, vers le premier. Le régulateur levé, bien. On verra. Puis avec les mauvais temps, ça passe bien, quoi. Il faut une atmosphère un petit peu sombre. Exactement. Pourquoi ? Je les ai oubliés ce matin, on avait besoin de rendeurs. Ok, et c'est grave ? J'en sais rien. Bon. Okay. Comment ça se passe tes vendanges ? Ah, ça va bien, ouais. Ça va ? Nickel. C'était dur ? Ça va. T'as commencé les craies, hein ? Moi, hein. T'as chauffé, hein ? T'as eu froid ? Ah ouais, il fallait presque l'écharpe et le bonnet. Faites très attention aux espions, il y en a partout, surtout au sein de votre équipe. Il s'appelle Nathan Jones. Il a une casquette rouge. La feuille de vigne est le plus vieux texte biblique. Ça sert à cacher les parties importantes. On n'entend pas parler de la feuille de chêne ou de la feuille de quoi que ce soit. Non, la feuille de vigne. Le vin, primordial, même dans la religion, toutes les religions. Les ouvriers de cette entreprise sont des machines de guerre.
vous devez absolument pas vous faire remarquer, et surtout pas par Cynthia ou Jocelyn. Sachez qu'il n'y a qu'une seule solution pour aboutir à l'opération, c'est l'observation. Observez autour de vous. Soyez vigilants. Beau. Ok. Ça fait plaisir d'être ici. Tout le monde. Le meilleur, ça demande du boulot, mais qu'est-ce que c'est bon la récompense. Donc, encore une fois, santé. Bonne série, je reste tranquille, je dors pas dans la chambre et puis je mange au lit en plus. Tranquille, c'est des grandes vacances quoi. Alors bon, après je peux comprendre quand t'es un peu plus âgé, ouais là tu risques de glamser. Effacez vos traces. Nettoyez absolument tout autour de vous. Aucune trace. Le patron a dit. Le patron a dit. Encore là. Voilà. Voilà. N'oublie pas les rétros, hein. Les rétros. Surtout, t'oublie pas le petit panneau tessinois derrière. S'il te plaît, tu m'arrêtes pas. Le petit panneau tessinois derrière. Voilà. Puis celle-là. T'as pas fait celle-là. Pitié. Maintenant, je vais m'adresser à Cynthia et à Jocelyn. Vous croyez vraiment la Dolce Vita allait passer inaperçue? J'ai travaillé pour vous. Je sais tout de vous. Tout ce que vous allez produire, cultiver, je le saurai. Vous ne pouvez pas vous cacher. On sera là. On sera toujours là. Et même l'année prochaine, on sera encore là.